Bruno Kettel. Bonsoir. Vous êtes député La République en marche de l'heure. Bonsoir Michel Larive. Vous êtes député la France Insoumise de l'Ariège. Bonsoir. Bruno Kettel, les gilets jaunes ont globalement mal accueilli aujourd'hui les annonces d'Edouard Philippe. Vous leur dites quoi ce soir je leur dis de, de se donner aussi un peu le temps euh, de l'écoute, de la réflexion et du travail avec nous. Le travail qu'il aurait proposé sur ces prochaines semaines, de débattre sur les territoires, d'échanger sur les questions de fiscalité, sur les, sur les questions environnementales, sur les questions aussi de citoyenneté, du rapport du citoyen à l'impôt, à la commune, au département, à la région, à la République. Parce que la question aujourd'hui, elle est là. C'est quel rapport pour tout un chacun vis-à-vis -vis de la République française. Mais ils ne veulent pas discuter, ils vont même jusqu'à refuser euh, l'appel au dialogue à Matignon. Pourquoi ça changerait ah Qu'est-ce qu'on va discuter pense, dans les territoires que, Alors je ne pense pas que les choses soient aussi simples que ça, si vous voulez me permettre, parce que ce sont huit personnes qui sont apparues dans le JDD, qui ont déclaré ne pas avoir pu se rendre à Matignon parce qu'avoir été menacées, pour certains, de mort. Donc, vous pouvez pas dire ce soir les gilets jaunes ne veulent pas discuter avec le Premier ministre, celles et ceux qui en étaient d'accord ont été menacés par d'autres de mort. Faut-il le rappeler et le souligner. Ça démontre d'ailleurs les tensions qui existent aussi en interne de ce mouvement, ce qui n'est pas une bonne chose et pour ce mouvement et là aussi pour la République. En tout cas, la réunion d'aujourd'hui a été annulée. Oui, mais oui, mais pour les raisons que j'évoque et non pas celles ouais. que vous prétendiez. Euh, Michel Larive, Pourquoi vous jugez insuffisantes les mesures annoncées aujourd'hui par Édouard Philippe parce qu'ils ne sont pas à la hauteur de l'urgence sociale hein, que les Gilets jaunes sont en train de démontrer de en étant dans la rue. Je crois que euh, le Premier ministre, le gouvernement, le président de la République, qui lui euh, ne s'est pas exprimé, ils euh, n'ont non, tout simplement tous pas pris la mesure de, de ce qui se passait dans la rue aujourd'hui. Mais est-ce que vous reconnaissez quand même une main tendue du gouvernement Non, ce n'est pas une main tendue. Regardez le calcul, il est très simple. Euh, six mois, six mois, nous, a, nous arrivons donc juste après les européennes. Ça veut dire qu'on va aller tout doucement vers, des heureux, vers une campagne européenne qui va, où on va essayer de changer un petit peu le pôle d'attraction politique. Mais je crois que ça va être très très difficile. Je crois que la question sociale maintenant est ancrée dans, le, dans, le, dans la réflexion et que euh, je ne crois, crois pas du tout que ce soit. C'est une peur, ça oui. Je pense que l'exécutif n'a pas pris la mesure des choses et craint la réaction de la rue. Mais une main tendue, non, pas véritablement, parce qu'ils auraient, ils auraient pu le faire tout de suite. Tout de suite, ils pouvaient décider d'une augmentation et pas d'un petit coup de pouce de 1,8 du SMIC, pas de 3 de 1,8 parce que 3 c'est lorsqu'on ajoute la prime à l'activité et les retraits des cotisations sociales. Donc c'est inverse. Il faut les écarter. Non, non, justement, on aurait dû, par exemple, euh, sur le SMIC, faire une réelle. Euh, Annonce de 150 ou 200 euros. À la charge de qui Mais à la charge de tout le pays, monsieur. C'est-à-dire à la charge de l'État. De, de l'impôt. Mais, mais bien entendu, de l'État. Non, mais pas seulement. Regardez, vous avez un CICE, 40 milliards, donc vous avez doublé, c'était 20 milliards. Et lorsqu'on nous parle d'écologie ou d'autre chose, vous avez 40 milliards qui ne donnent rien, qui, re, qui ne rendent pas d'impôt. Le cadeau que vous faites à ces gens-là, peut-être, pourrait servir à augmenter le, le, le bien-être et le quotidien, le mieux-être de tous les Français. Il y a en ce moment. Euh, des digues qui sont rompues. Et si le gouvernement ne prend pas la mesure de cette urgence sociale, de ce qui risque de se passer encore samedi, je crois que c'est de l'inconscience, c'est quasiment de l'inconscience. Et je crois même que les annonces qui ont été faites là, dernièrement, c'est de l'indécence, parce que c'est aujourd'hui, c'est demain. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui le, euh, le combien nous sommes aujourd'hui Le 4 décembre. C'est-à-dire que dans six jours, certains auront fini leur mois. Donc, vous voyez, l'urgence, oui. elle est, elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut, pour les gens qui sont dans la rue, qui ne sont pas des calculateurs dans six mois ou des choses comme ça. Ils ont besoin de finir déjà ce mois de décembre. Et en plus, dans ce mois de décembre, il y a Noël. Donc, il y a aujourd'hui une urgence. Je ne sais pas si nous sommes dans l'indécence, mais non, non, vous êtes dans la démagogie. Non, pas du tout. Oui, vous êtes dans la démagogie le populisme en disant Oui, oui, vous êtes dans la démagogie. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, ça, ça fait si trois moi, fois que vous, vous le répétez, mais je vous répondrai. Alors, on va poursuivre le débat dans un instant. Je voudrais juste qu'on écoute les Gilets jaunes qui ont répété ce soir qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec les annonces d'Édouard Philippe aujourd'hui. C'était sur le plateau de Carole Gessler tout à l'heure. Regardez. Pour avoir un dialogue, il faut être deux. Mmh. On n'est pas deux. Il est seul. Il donne des informations, il donne des idées, mais on est loin du compte. Il n'y a pas de négociation possible. On est parti aujourd'hui. Nous avons demandé dès le départ. Il y a des revendications qui sont claires. Mais, Mais celles-là, elles étaient claires sur les taxes, sur Bien, le évidemment. contrôle technique. Là, Donc ça, il répond à votre demande. On parle d'un moratoire, on ne parle pas d'une annulation de, de ça. On parle de, de faire une pause pendant six mois. Donc tout. Vous, vous, allez continuer ou vous allez arrêter Ah, on va continuer, c'est une certitude. On va pas s'arrêter là, c'est pas possible. On ne peut pas s'arrêter juste sur une pause. On, on s'arrêtera le jour où on dira stop, on arrête. Bruno Ketel, la hausse des taxes n'est pas annulée mais reporté, en fait, vous ne réglez pas non, non, vous le problème. Non, 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 elle ah, n'est si, pas reportée. Si je, peux, si je peux répondre, elle n'est pas reportée. Elle est gelée pour les six mois et le Premier ministre a bien dit ce matin, si vous l'avez écouté entièrement, qu'au bout de six mois, du débat organisé, auquel il faut aussi euh, prendre part, si on veut discuter, il faut être deux, effectivement, mais aujourd'hui, on n'a pas d'interlocuteur. Vous l'avez vous-même souligné tout à l'heure, personne ne va à Matignon quand les portes sont ouvertes. Ce débat, pendant six mois, qui va nous permettre, auquel nous allons prendre part Parlementaire, avec les collègues, avec les institutionnels, avec les, avec les partenaires sociaux, localement et autres, il doit permettre aussi de tirer les conséquences de la capacité de tout un chacun à accepter ou non le dispositif proposé. Et le premier ministre il dit bien, on tirera les conséquences de l'éventualité d'un non accord. Ça veut dire ce que ça veut dire Donc, on va donc commencer une période de, dire, de concertation. Mais cette colère, vous êtes député, vous êtes au contact oui. de la population sur le terrain. Vous ne l'avez pas senti monter cette colère ces derniers mois non, attendez. écoutez, cette colère, elle est euh, exprimée au principal par l'élection du président de la République, par euh, euh, ce deuxième tour des élections présidentielles, par euh, l'élimination des partis traditionnels qui est au pouvoir depuis des décennies et qui euh, euh, connaissaient des alternances que j'ai l'habitude de qualifier de cotonneuses depuis 20 ou 30 ans. Il n'y avait pas de vrai clivage politique, sauf pendant les discours, mais après, dans les actes, ce sont les, 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 les hauts fonctionnaires qui ont dirigé notre pays pendant des années. Aujourd'hui, euh, depuis 15 mois, des réformes ont été faites, un certain nombre, de manière assez importante. Peut-être que nous sommes allés trop vite, peut-être que nous n'avons pas été bons dans l'explication de la pédagogie et le temps pour ramener tout un chacun à la bonne appré appréhension de toutes ces questions. Mais cette colère, elle est le fruit euh, d'un mal-être et c'est polyforme. Moi, je suis élu depuis 1995, monsieur. J'ai pas découvert la politique en juin 2017. J'étais maire... Pendant des années, j'ai reçu des gens les samedis matins dans ma mairie, la misère sociale, elle n'existe pas depuis juin 2017. Ce serait malhonnête de le dire ainsi. Donc les femmes et les hommes qui ont des accidents de la vie, les femmes et les hommes qui ont connu la désindustrialisation qui a été ces dix dernières années, notamment les cinq dernières années, parce que quand je vois des gens nous donner des leçons aujourd'hui, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé ces cinq dernières années en matière de désindustrialisation, en matière d'augmentation d'impôts et en matière de défiance. Euh, du citoyen vis-à-vis -vis de l'action publique. Donc toutes ces questions-là, les occulter aujourd'hui, tout mettre sur la responsabilité du président de la République qui est en place depuis 15 mois, c'est mettre à mal aussi le suffrage universel qui s'est exprimé et remettre en cause quelque part les fondamentaux de la République. Alors justement, sur cette question institutionnelle, Jean-Luc Mélenchon euh, a notamment réclamé la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est également votre souhait est-ce que ça n'ajouterait pas au final de l'instabilité à l'instabilité qu'il y a déjà en ce moment dans notre pays Non, 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 parce que si on regarde, pour répondre un petit peu à ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, on a changé de paradigme, on a dit, nous ne prenons plus les, les anciens partis et on prend quelque chose de complètement nébuleux qui a été fabriqué, puis euh, voilà, et on va voter par défaut. Pour euh, un mouvement qui, qui n'a pas de socle idéologique, qui, qui, qui n'a pas d'assises. Et aujourd'hui, les Français se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. Ils sont immensément déçus et ils sont au bout. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont au bout du rouleau et les digues lâchent aujourd'hui. Et effectivement, si on dissolvait l'Assemblée la, nationale. Ce Quel serait, intérêt Ce serait peut-être l'occasion d'avoir un autre Parlement, peut-être plus ancré. Euh, vers les réalités des populations qui sont aujourd'hui dans la rue. Mais quand, exemple, on voit, nous, quand on voit, quand on voit le morcellement étions, du si paysage nous, politique français aujourd'hui, il n'y aurait répondre, pas de majorité claire. Oui, Qu'est-ce que vous écoutez, pensez Non, la mais, pro... mais le paysage. Attendez, là, les, les sondages. Attendez, moi, je vous ai laissé parler. Oui, Excusez-moi. Euh, donc, si vous pensez que les sondages font euh, l'élection, ça fait deux quand même. Donc, écoutez, si nous avions des élections prochainement, je ne sais pas, si on discute oh. aujourd'hui, on aurait peut-être des élections. Peut-être avant les européennes, ou alors il faudrait repousser les européennes, eh bien il y aurait peut-être le temps d'une campagne qui pourrait faire que notre mouvement, notamment, puisse prendre de l'ampleur et être aux manettes de, de ce pays. Et effectivement, la politique qui serait menée alors serait absolument différente de celle qui est menée aujourd'hui. Voilà pourquoi nous proposons une dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, sur la question des, des institutions, euh, Bruno Quettel, euh il y a ce sentiment de ne pas être suffisamment bien représenté chez les Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous leur dites sur ce point ce soir Qu'ils s'inscrivent en politique, parce qu'ils font de la politique. Moi, je les reçois, j'en ai reçu trois fois. Je vous l'indiquais tout à l'heure hors écran, je leur ai donné rendez-vous toutes les semaines, le vendredi, mat vendredi matin à 9h à ma permanence. Et on va échanger, ce sont des femmes et des hommes qui font de la politique mmh. par leur action, qui posent un diagnostic sur la société qu'on ne partage pas forcément. Vous les invitez hein, à former un parti politique Je les invite à s'inscrire... Dans le débat démocratique et républicain, parce qu'il faut, il faut avoir peur de personne dans le débat démocratique et républicain. Maintenant, euh, M. Ruffin demande au président de la République de démissionner. M. Mélenchon, de... vous auriez pu poser la question sur la contradiction justement entre Mélenchon et Ruffin, puisque euh, Ruffin demande la démission ensemble. du président de la République, Mélenchon demande la dissolution. Et on voit d'ailleurs qu'ils se séparent un peu en ce moment dans les ils se parlent moins. Mais ça, c'est un enjeu interne à la France Insoumise, ça, ça ne me regarde pas. Mais euh, d'ailleurs, la France Insoumise, il le démontre comménages. bien qu'il fonctionne comme un parti comme les autres, un parti traditionnel, Non nébuleux. Non, bah non. Effectivement, non. Nous, ça va. Nous, on se parle le mardi matin. On a des réunions comme nous. Vous. Aussi. Effectivement, on nous se aussi. parle et tout ce qui aussi. est fait et décidé par chacun d'entre nous a été discuté avant et euh, tout le monde. Vous pensez quoi de la proposition de Ruffin alors Ah, mais c'est la proposition de Ruffin, de. La... C'est laquelle la proposition parce que. Ben c'est lorsqu'il est allé dimanche devant l'Elysée interpeller le président de la République pour lui demander de, de démissionner. Que vous... De démissionner. Que vous appelez à la démission d'Emmanuel Macron. Il va y avoir un moment où je crois que ça va être juste la seule solution si le si, Après, on, fait, avant la si on fait si on fait ce qui fait fait aujourd'hui c'est-à-dire qu'on dit aux gens attendez encore six mois et vous refusez, vous le, débat, en fait. vous refusez le débat en fait. Vous refusez le débat. Refusez le débat sur les territoires. Non, mais non, mais il, faut, il faut, il faut me laisser parler. Non, non mais vous refusez moi, le débat je, sur je, les territoires. Non, non, mais moi, je vous laisse parler. Donc, il faut me. Laisser vous me vous êtes d'accord ou pas le débat non, sur non, les mais territoires Non, laissez-moi parler. Ben. Mais répondez à ça, c'est important. Donc, euh, mais non, non, mais je vais répondre à la question du journaliste parce que c'est lui le journaliste. D'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, si on attend encore six mois, je pense que on n'attendra pas six mois. Six mois de colère, on aura quelque chose de plus insurrectionnel encore que ce qui se passe aujourd'hui, la chose va devenir extrêmement violente. Et effectivement, je ne sais pas s'il sera de bon ton que M. Macron démissionne, mais je crois que ce sera absolument conseillé, effectivement. Si vous n'étiez pas député, vous seriez un Gilet jaune Oui. Oui, je le serais, bien entendu. Je le saurais parce que c'est le moment, écoutez, on vit un moment historique. Les gens dans la rue vivent un moment historique. Écoutez, vous savez, hier soir, il y a un ambulancier qui a brûlé sa propre ambulance. Dans quel état est cet homme pour faire ceci dans quel état il est Il est devant l'Assemblée nationale. Il dit, il n'y a plus rien, on ne m'écoute même pas. Madame Buzin a dit qu'elle allait nous recevoir. Elle ne nous reçoit pas, elle nous ment. De dépit, il brûle son outil de travail. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte dans quel état psychologique se trouve cet homme et dans quel état psychologique et dans quel état social se trouve en ce moment la population française Pour en venir à ces extrêmes-là. Alors, Christophe Castaner euh, appelle euh, les Gilets jaunes raisonnables, hein, je le cite, à ne pas se rassembler euh, -ce euh, samedi. Jaune... Euh, c'est plus sage, selon vous Mais qu'est-ce que c'est un Gilet jaune raisonnable, madame C'est un Gilet jaune qui se bat contre la violence. Et mais je pense que si jamais. Euh... Vous Donc, y serez, alors... vous, samedi, non. dans la rue ah, sûrement, oui. Je, oui, 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 effectivement. Je vais, euh, aller malgré, la, malgré la crainte de nouvelles violences. Mais écoutez, je crois, j'espère, je, je, moi je ne souhaite pas et je dénonce toute violence, d'où qu'elle soit. Et la plus grande violence, c'est celle que l'État imprime à la population française aujourd'hui. Cette violence sociale. Il n'y aura pas d'ordre social sans justice sociale. Quand le gouvernement l'aura compris, peut-être qu'on pourra passer à autre chose. Et effectivement, s'il pose de véritables propositions, mais d'ampleur, pas des, des, des petites propositions à, à, à la semaine, des, des véritables de propositions d'ampleur, de changement de paradigme de, de société, de changement, effectivement, au lieu, maintenant, les riches ont été aidés. Ça suffit, peut-être qu'on pourrait aider notre population. Plus de 60 millions de personnes maintenant sont effectivement dans le besoin. Donc c'est cela qu'il faut aider maintenant. Bruno Kettel, est-ce que, est que le gouvernement doit changer de cap Non, je, 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 moi je m'en tiens aux, aux déclarations du Premier ministre ce matin. Euh, je, je suis frappé euh, que mon collègue Larive euh, refuse de s'inscrire dans le débat public et contradictoire. Mais non, ça non, non bon vous ne pouvez pas me reprocher de vous avoir interrompu et de le faire à ma première phrase. Oui, vous avez raison. Oui, sur le coup, oui. Mais euh, je, je suis frappé. Mais faut pas non plus avoir fait des hautes études pour comprendre que ni la France insoumise ni le Front national ont intérêt à ce débat. Ils n'ont pas intérêt à ce que les gilets jaunes se structurent. Et Ils n'ont pas, pas intérêt. Non, l'incantation, c'est quand vous appelez la dissolution euh, dans les meilleurs délais. Ils n'ont pas intérêt à ce que les Gilets jaunes s'organisent en partis politiques et présentent une liste aux Européennes. Parce que les électeurs éventuels des, des Gilets jaunes, ce sont les électeurs du Front National et de la France Insoumise. Le, le programme que nous avons reçu, de pas trois pas pages, pour, pour partie, euh, <laughs> le programme de trois pages que nous avons Il y a reçu... Même des gens de chez vous. Le programme pour trois pages que nous avons reçu, c'est une addition des deux programmes présidentiels de Mme Le Pen et de M. Mélenchon. Il faut l'assumer. Je ne le conteste pas, mais il faut l'assumer. Donc, c'est aussi à vous de voir comment vous, vous devez vous organiser vis-à-vis -vis de ces femmes et ces hommes qui n'étaient pas inscrits dans l'action publique et politique, qui doivent s'organiser et se fédérer pour justement poser leur diagnostic de la société, faire valoir leurs propositions lorsqu'ils seront capables de les déterminer et que les Françaises et les Français en jugent, notamment aux Européennes. Je voudrais qu'on dise, euh, oui. quand même pour terminer, il nous reste moins d'une minute, un mot de la manifestation de samedi. Un syndicat de police euh, appelle euh, l'armée à intervenir euh, samedi. Qu'en dites-vous Moi, j'appelle à ce que les manifestations se déroulent dans le plus grand pacifisme, je l'espère. Par contre, ce que je veux vous dire, monsieur, c'est qu'il y a des gens, même de chez vous, des gens qui ont voté Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle et qui ont voté pour les députés en marche, qui sont aujourd'hui dans la rue vêtus d'un gilet jaune. Parce que ces gens-là sont déçus. Vous ne pouvez pas dire, parce que si vous calculez en pourcentage des gens qui, euh, Je qui, soutiennent, de ça, le qui bien. soutiennent le mouvement, 70%, c'est bien plus non, large non, non, que l'électorat de les le, le Pen et Mélenchon sondages, réunis. Donc il se passe la sondages. chose suivante c'est que vous n'avez plus de socle ni populaire, vous n'en avez jamais eu idéologique, vous n'avez plus de socle populaire, c'est pour ça vous que, avez nous jamais digéré que vous laissez euh, la place, vous cédez au premier tour des présidentielles. On avait jamais Messieurs, que... oui. Messieurs, vous restez avec nous, on va prolonger le voulez. débat dans quelques instants. On